Salut à tous, ravi de vous accueillir sur le plateau de Gym Tonic. L'OGC Nice a fait le job hier soir en Europa League conférence. Et plutôt avec la manière, nous reviendrons sur cette victoire de Buzyn face aux partisans de Belgrade en compagnie de nos experts. Vincent Menichini, salut Vincent. Salut à tous. William Imbercier, salut Will. Salut Mika, salut à tous. Et la légende plus en forme que jamais, Philippe Kamps, c'est là. Salut, il n'y a qu'une légende, elle s'appelle Dominique Baratelli, elle portait un maillot jaune citron. Au bout barré de 30... d'une pub JDC Nivico, elle avait des fois des gants de laine. Au bout de 30 secondes d'émission, tu as déjà placé Dominique Baratelli, c'est bravo, parfait. C'est fait. C'est fait. Merci, à la semaine prochaine. Notre invité cette semaine a porté le maillon des Aiglons comme Dominique Baratelli, mais lui c'était au début des années 2000, attaquant de pointe et azuréen, pure souche. C'est Laurent Gagné qui est avec nous. Salut Laurent. Salut Mika. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On va commenter bien sûr l'actualité de l'OGC Nice avec au sommaire eh bien, un focus sur Hicham Boudaoui. Le match de dimanche à jouer face à Lorient. Le pour contre consacré à Bilal Brahimi. Sans oublier le souviens-toi de Philippe avec du Lolo Gagné dedans. Mais on débute, messieurs, ce Gym Tonic avec cette victoire plutôt probante hier soir de Buzyn donc face aux partisans de Belgrade. Will, le Gym a su réagir. Cette fois. Ouais, c'est dommage qu'il y ait eu ce petit creux de 20 minutes qui a permis d'ailleurs aux partisans d'égaliser parce que sinon dans l'ensemble c'était vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé surtout l'entame de deuxième période qui emmenait un peu de continuité par rapport à ce qu'avait des bonnes choses de la première mi-temps. Donc c'était bien, il y a eu beaucoup de volume de course, on en parlera plus tard des joueurs individuellement, mais globalement c'était vraiment un visage séduisant quelques jours après la catastrophe contre Nantes. Allez, on va voir les stats de cette rencontre entre l'OGC Nice et le Partizan de Belgrade et elles indiquent ces stats évidemment que la domination de Nice a été totale sur ce match-là, en particulier au niveau des tirs, 20 tirs contre 6, 7 tirs cadrés, un poteau touché par Gaëtan Laborde, on en reparlera parce que c'est vrai qu'il est très malchanceux, mais Vincent, c'est un match complet de l'OGC Nice qui s'est fait peur pourtant, mais voilà, ils ont réussi à tenir la baraque. Un match référence après une entame de saison très très moyenne. Nice a dû attendre donc la fin du mois d'octobre pour livrer une prestation solide dans son camp, dans le camp adverse. On a vu des joueurs à un niveau moyen assez élevé, aucun qui n'est passé au travers. Un bon gardien, une défense solide, pas d'erreur folle de concentration. Rosario très concentré, un milieu comme d'hab, Lemina assez exceptionnel. Pépé encore décisif, Melvin Barr aussi que j'ai retrouvé à un niveau assez élevé. J'ai l'impression que lui aussi il est plus affûté après un début de saison où il avait tendance à être très moyen. Et le retour au 4-4-2 a fait beaucoup de bien à cette équipe. Elle est importante cette victoire, Lolo, pour l'OGC Nice parce que les Niçois ont leur destin entre leurs mains aujourd'hui en Coupe d'Europe. Oui, tout à fait, surtout après le résultat de Cologne cet après-midi. Un match nul. Victoire 1-0 Cologne à Slovačko. On verra le tableau du classement tout à l'heure. C'était hyper important. Il fallait une réaction déjà après ce match contre Nantes ce week-end. On arrive à sortir avec le point de match nul. Mais là, c'est une belle victoire hier avec du bon contenu. Donc c'est encourageant pour la suite. Philippe, dimanche il y avait ce match contre Nantes où effectivement, miraculeusement, l'OGC Nice a glané un point face au Nantais avec un pénalty très contestable. Là, il n'y a pas de contestation sur cette victoire niçoise. Non, même si à 10 ou 12 minutes de la fin, il y avait un partout, non? Oui. Donc, mais ils ont pas, il n'y a pas eu un partout longtemps, 3 minutes. Ouais. Non, vraiment. Voilà. Mais... Oui, moi j'avoue que je bossais, donc j'ai pas pu me concentrer à 90 minutes, pendant 90 minutes sur le match, donc je vais pas être sentencieux, mais non, c'était d'après ce que j'ai vu et ce que j'ai lu, on est passé à la vitesse supérieure, enfin il était temps quoi. Et puisque tu parles de cette égalisation effectivement du Partizan de Belgrade, on va écouter la réaction de Mario Lemina à ce propos, et c'était après la rencontre. C'est très très positif pour l'état d'esprit de l'équipe parce que voilà, je pense que sur l'intégralité du match, on mérite ce résultat. On a sorti une très bonne première mi-temps, une très bonne deuxième mi-temps. Après, on a eu un moment de faiblesse, on va dire entre guillemets, sur une balle anodine. Ils arrivent à égaliser. Mais sur le temps d'un instant, on se dit voilà, est-ce que c'est le même cauchemar qui se répète? Et puis on se remobilise très vite parce qu'on sait qu'on n'a pas envie de retomber dans les mêmes travers
que par le passé. Et aujourd'hui, ça nous a souri. On est vraiment parti le chercher. Je pense qu'on aurait pu même aggraver le score. Voilà donc Mario Lemina. Oui, Nice a eu chaud en fin de match, il faut le préciser, parce qu'il y aurait pu avoir un penalty dans les arrêts de jeu pour cette équipe du Partizan de Belgrade. Ben, en fait, si on fait tout le calcul, s'il y avait eu le VAR dans cette compétition, match aller, le but il est annulé parce qu'il marque de la main au Partizan. Et là, il y a penalty parce qu'il n'y a pas hors-jeu. Et il y a pénalty. Donc au final, Nice serait déjà sorti de la compétition avec le VAR. Et même à Slovacko, il y a 2-3 situations en fin de match. Raconte-nous exactement, pour ceux qui n'ont pas pu voir le match, cette action d'Antoine Mendy en fin de match. C'est sur... je crois que c'est un coup franc en plus. Un long ballon. Et en fait, Mendy, il essaie de rattraper le coup pendant que l'attaquant fait un amorti poitrine et il envoie la jambe comme un sauvage. Et en fait, on en parlait hier un peu avec Vincent. Ça rappelle un peu les erreurs de Malansart aussi à ses débuts. La faute de Pelmar contre Marseille. Voilà, c'est les jeunes, quoi. C'est vraiment la faute de jeunesse. Il veut bien faire, il veut trop en faire, il veut se jeter. Et sa faute, elle est horrible. Elle est grossière. Et d'ailleurs, Nanté vient le voir de suite. Ah ouais. En lui disant. Il passe un savon, quoi. Ah ouais, ouais. Il fait plus jamais ça, gars. Ouais, Lucien Favre a eu peur. Hein, il l'a dit hier aussi en conférence de presse. Mais heureusement, il y avait une position de hors-jeu qui a été signalée. Qui existe ou pas, en tous les cas, ça fait 2-1 pour l'OGC Nice. On va écouter justement la réaction du coach de l'OGC Nice, Lucien Favre, plutôt satisfait par le jeu, on va en parler, proposé par l'OGC Nice. C'était un bon match. Je trouve qu'on a joué au football. On a joué beaucoup plus vers l'avant. Parce qu'il y avait des appels du démarquage et puis de la vitesse. Ça, c'est très, très important. Je le dis depuis le mois de juin. Il faut ces possibilités-là, quoi. Voilà, Lucien Favre satisfait de la vitesse proposée par les Niçois. Vincent, c'est vrai que on le disait tout à l'heure, au niveau du jeu, Lucien Favre dit on a produit du jeu. Il y a eu du jeu. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, après c'était pas non plus un match avec une intensité folle, c'était encore une fois la Ligue Europa Conférence, c'est la plus faible des compétitions européennes, en face le Partizan Belgrade, j'étais à l'aller, c'est pas non plus une équipe exceptionnelle, donc voilà, faut rester assez mesuré sur cette victoire qui évidemment fait beaucoup de bien, mais je pense qu'on est encore très loin du Nice qu'espère Lucien Favre. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir en Ligue 1 où tu es à la 12e place, et est-ce que tu mérites d'être mieux, d'être plus bas? Je pense que Nice est tout simplement une équipe moyenne en ce début de saison, mais il y a certes la possibilité de faire mieux avec des garçons comme Boudaoui, qui doit plus jouer, qui doit moins être blessé, et certainement des choix un petit peu pas définitifs, mais des garçons en grande difficulté comme Ramsey, Barclay et compagnie qui sont en souffrance et qui vont peut-être beaucoup moins jouer. Le classement de ce groupe d'Europa League Conférence, après donc la victoire de Cologne sur la pelouse de Slovako, le match avait été reporté en raison du brouillard et s'est joué ce vendredi à 13h, victoire 1-0 donc de Cologne à Slovako, et on voit, Will, que tout reste ouvert pour l'OGC Nice et qui peut finir aussi bien premier du groupe que troisième. Je pense que c'est le pire scénario, la victoire de Cologne à Slovačko. D'autant qu'ils se font voler, nos amis tchèques. C'est tes amis tchèques qui t'ont dit ça, ils t'ont appelé pour te dire ça. Deux pénalties, le premier raté, le deuxième, ils l'ont mis. Non, Slovačko méritait quand même d'avoir encore son destin en main pour la dernière journée. Et ce ne sera pas le cas. Et Nice aura un match très très compliqué à Cologne parce que on pourrait tout perdre en cas de défaite et de victoire du Partizan. Nice peut finir troisième. Troisième. Ouais, c'est le scénario qu'on n'a pas envie de voir, Laurent, sur ce match-là, parce que malgré tout, l'OGC Nice doit sortir de cette poule d'Europa League Conférence. Il n'y avait que des équipes à sa portée, quoi. Bah, c'était la meilleure équipe du groupe, je pense. Hein. Enfin, c'est la meilleure équipe du groupe. Maintenant, Nice a son destin entre ses mains. Donc, il suffit d'un match nul pour se qualifier. Pour être au moins deuxième. Mais au moins, on se qualifie. Et passer par un tour préliminaire, c'est quoi? Un tour de barrage? 16e de finale contre le troisième d'une poule de Ligue Europa. Ouais, avec potentiellement donc des équipes. Non, mais t'as encore ton destin en main. Voilà, ça. Après, il suffit que tu gagnes là-bas et tu finis premier du groupe. Voilà. Et il faut remettre l'église au centre du village quand même. Enfin, je veux dire, là, aujourd'hui, on est premier du groupe. Il suffit de gagner, on sera premier et ça passe. Il va être chaud, Philippe, ce match à Cologne quand même, parce qu'il y a le contexte du match aller, évidemment, avec les incidents qui ont lieu au stade. Il y aura des Niçois qui se rendront là-bas, au moins 500 Niçois qui vont se rendre à Cologne. Tout est mis en place pour que ça soit un match assez chaud. Oui, c'est un rendez-vous qu'on va attendre particulièrement.
Et puis aussi pour prendre la revanche par rapport aux années 70, on avait été battu 4 à 0. Celui-là, tu t'en souviens, hein, tu les as vus ceux-là. Vous en avez pris combien ? 4. C'était qui le gardien ? Une revanche. C'était qui le gardien ? Et donc, il prendrait des buts. 4 dans un 4, même match. Beaucoup, 4, on avait été battu à Cologne. Ouais. Donc, et donc, une revanche par rapport aux années 70. Et une revanche également par rapport à ce match aller, ce match nul à domicile, avec tous ces incidents qui avaient émaillé la rencontre. On espère évidemment qu'au match retour, tout se passera de la meilleure des façons. Alors, il y a un joueur qui a peu joué, hein, finalement, depuis le début de saison du côté de l'OGC Nice, c'est Hicham Boudaoui. Et hier, Vincent, il a plutôt crevé l'écran et nos yeux au stade également. Il a fait un super match. Ouais, il fait un super match. Un peu dans la lignée de celui qu'il avait effectué il y a très longtemps à Rennes. Tu t'en rappelles, Philippe, la légende. À Rennes, il avait été. Tu as encore toute ta tête, ça fait plaisir. À Rennes, il avait fait un match exceptionnel. Ouais, mais depuis, tu peux pas nous parler du match d'hier, par contre. Depuis, c'est hibernatus. Non, mais c'est pas vrai. Parce que il y aura l'explication de Lucien Favre tout à l'heure. C'est, mis dans la glace. Voilà, c'est un super joueur, Hicham Boudaoui. Et je trouve que parfois, il souffre en fait d'un problème un petit peu de. Même de on le voit rarement, il n'a pas beaucoup de leviers dans les médias, il y a pas beaucoup, on ne sait pas trop qui s'occupe de lui. Tu as l'impression que quand il ne joue pas, ce n'est pas grave, il est souvent blessé. Donc c'est un gars qui est assez... lisse. Non, ce n'est pas qu'il est lisse, mais c'est un gars assez mystérieux, Hicham Boudaoui, même dans le vestiaire, quelqu'un de très introverti. Mais on se rend compte souvent que quand il est là, Nice est souvent meilleur. Il court énormément pour tout le monde, il ne rechigne jamais à faire les efforts quand ses coéquipiers n'ont pas le ballon. À la récupération, il est adroit quand Nice a le ballon. Il sait faire beaucoup de choses et moi, c'est un garçon que j'aime beaucoup et qui mériterait d'être plus mis en avant. Les stats d'Hicham Boudaoui dans cette rencontre face aux partisans de Belgrade, Will, tu vas nous les commenter parce que ce sont des stats plutôt intéressantes de la part du milieu de terrain, placé sur le côté droit, mais il peut jouer partout, Hicham Boudaoui, mais hier, il était placé côté droit. Ouais, 44 passes, c'est 93% de réussite dans les passes, ouais, techniquement c'est très très propre. Les duels, c'est moitié. Moi, ce qui me plaît vraiment dans ce joueur, parce qu'il y a des dribbles aussi, parce qu'il veut les casser. Hein, justement, et tu l'as très bien annoncé dans ta question, moi je le trouve meilleur. Son meilleur poste pour moi, c'est au cœur du jeu en 8. C'est pas sur un côté. Là, je pense qu'aujourd'hui, c'est les capacités défensives de Pépé dans le couloir avec Attal derrière qui a besoin un peu plus de soutien. Donc, c'est pour ça que je pense que Lucien Favre préfère mettre Boudaoui sur un côté. Ça soulage Youssef Attal. Mais au cœur du jeu, et je pense qu'à Rennes, il était d'ailleurs, si je ne me trompe pas... C'est Adrien Ursa qui le faisait jouer, lui, carrément en sentinelle. En sentinelle, ouais, en 6. Mais franchement, il a une capacité, et on l'a vu dès son premier raid, au bout de la 7-8 minutes de jeu, il a vraiment cette faculté à la Khéphren Thuram, à se retourner et à aller porter balle au pied le danger dans la surface. Techniquement, il a quelque chose. Et je pense qu'il lui manque un peu de malice. Hier, il peut provoquer un penalty avec plus de malice. Lolo, c'est un régal de voir jouer Boudaoui quand il est au top de sa forme, on va dire, parce qu'il a beaucoup de talent, ce joueur. Ah, totalement d'accord. C'est un joueur qui peut apporter énormément, et quand il est en forme, de toute façon, c'est l'un des meilleurs. Et d'ailleurs, en sélection, même Jamel Belmadi peut le dire, c'est un des meilleurs, un des tauliers de l'équipe quand il est en forme. Aujourd'hui, il lui manque. Il a la combativité, il peut prendre la profondeur, balle au pied, il est très adroit. Ce qui lui manque, c'est d'être un petit peu plus, moins blessé. Ouais, moins blessé, régulier. Un peu plus régulier. Plus constant dans ses prestations, mais quand il est en forme, il est là. Ouais, justement, Lucien Favre, on l'a interrogé après la rencontre, juste pourquoi Boudaoui ne jouait pas trop jusqu'à présent. Écoutez la réponse du technicien suisse. Ouais, déjà, il a eu deux blessures qui ont duré plus d'un mois. Donc là, c'est vraiment handicapant parce que tu ne le vois pas à l'entraînement. C'est aussi surtout pour ça. Parce qu'il peut jouer quasiment tous les postes. Il peut jouer milieu axe à 3, il peut jouer milieu axe à 2, il peut jouer beaucoup de positions, il peut jouer même ailier gauche. Je pense que, bien sûr, il est mieux dans certaines positions, mais lui, il est vraiment très polyvalent, quoi. Et il court énormément, quoi. Dans la récupération du ballon, c'est important. Voilà, important dans la récupération du ballon, dans l'animation du jeu. On va le revoir, Hicham Boudaoui, Will, sur le terrain. Là. S'il est épargné par les blessures, sans aucun problème. Il a un volume de course qui est trop précieux pour l'équilibre du collectif. Lucien Favre ne s'en privera plus.
Alors, on a remarqué hier, pendant cette rencontre, que sans les recrues Ineos, alors on va dire qui sont les recrues Ineos quand même du côté de l'OGC Nice, c'est Barclay, bon, qui ne peut pas jouer en Coupe d'Europe parce qu'il n'est pas qualifié, mais c'est Aaron Ramsey, c'est Joe Bryan, bon, c'est Sorensen qui est là, mais on ne sait pas pourquoi, lui, il est là, il fait le nombre sur le banc. Bah, l'OGC Nice joue mieux, c'est Barclay. Ça un peu, Vince ? Barclay. Schmeichel aussi. Ah bah, Schmeichel aussi, oui, tu as raison, Philippe. Hier, il y a zéro minute de temps de jeu pour les recrues, mais si, il y a Ramsey. Il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré. Il est pas rentré. Autant pour moi. Il s'est vrai. Très bien échauffé le long de la ligne de touche. Ah ouais, il devait d'ailleurs, rentrer. D'ailleurs, avec Will, on s'est fait la réflexion. J'ai dit, regarde, Ramsey, là, à la 88e, 89e, ça commençait un petit peu à monter. Non. International gallois, il joue quand même dans des très grands clubs. Et il voit là que Lucien Favre commence à se rendre compte qu'en fait, il n'a pas forcément les cannes pour apporter une vraie plus-value. Et lui, il a intérêt de rapidement se mettre au niveau parce qu'il ne va plus beaucoup jouer à ce rythme-là. BKBK, ça court, Boudaoui, ça court, et Lucien Favre, depuis le début de saison, il réclame des joueurs qui enchaînent des courses, qui redoublent d'efforts. Ben voilà, faut qu'il fasse des choix en accord avec sa philosophie de jeu. Donc, faut qu'il fasse jouer Boudaoui, des BKBK, et qu'il arrête avec les Barclay, les Ramsey, les Joe Bryan, les Sorensen, on ne le verra pas. Et même le poste de gardien, on se répète, mais au bout d'un moment, Boulka est meilleur. Bah, qu'il fasse jouer Boulka, qu'il arrête de se poser 36 000 questions, et s'il n'est pas content, Schmeichel, eh ben, il partira après la Coupe du Monde. Oui. Laurent, c'est vrai qu'on est un peu déçus par ces recrues-là, et en particulier peut-être Barclay, qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu la saison dernière, donc on va peut-être un peu plus l'excuser, mais un joueur comme Aaron Ramsey, il doit apporter son expérience, il doit apporter son volume de jeu à l'OGC Nice. Bah, oui, avec ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu, où il a joué, c'est ce qu'on lui demande en fait aujourd'hui, hein, et puis d'être décisif surtout, parce qu'aujourd'hui, il ne l'est pas. Un but à Toulouse. Ouais, voilà. Un but à Toulouse. En combien de titularisation, je sais pas. Maintenant, aujourd'hui, hier justement, ce match-là, le coach il a changé le dispositif et on voit qu'en 4-4-2, on demande en fait de l'effort, on demande plus de présence, on demande de la combativité, on demande tout ça. Ce qu'ils ont proposé avant Barclay et Barclay, comme vous disiez avant et à juste titre, il a moins joué l'année dernière, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu, donc on va l'excuser là-dessus. Mais des joueurs comme Ramsey, Schmeichel, qui ont connu le haut niveau et autres, ils doivent montrer beaucoup plus et justement emmener les jeunes à prouver certaines choses et à les aider à aller plus haut, quoi. Et là, c'est le contraire. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire une cassure nous-mêmes en faisant ce débat-là, en disant voilà, ça c'est les recrues Ineos, ils servent à rien. Et puis t'as les Diop, Laborde, on va Pépé. Dire ça, Pépé, les recrues, je ne sais pas. Non, mais c'est les recrues du club. Oui, c'est les recrues du club. Mais il faut pas. On dit depuis le début de saison qu'ils ont fait n'importe quoi, donc ça reflète exactement ce qui se passe. Mais pourquoi on les nomme les recrues Ineos? Le 4-4-2, parce que ce sont des choix clairement Ineos. Moody, Dave et Jim. Voilà, Jim, on va répéter. Jim Radcliffe qui a choisi Barclay parce qu'il aimait, Dave Brailsford qui a choisi Ramsey parce qu'il est gallois, et Moody qui a pris un peu un arrière-gauche, un central, un peu sur le marché anglais, que des catastrophes. Mais bon, ils ont validé Pépé, Diop... Ils ont validé parce que c'est les meilleurs recrues. Et c'est simple de valider. Moi aussi, je peux valider un Pépé, moi à la board. Par contre, un Bryan, un Sorensen ou un Schmeichel, il ne fallait pas les valider. Mais c'est surtout qu'ils ne peuvent pas jouer dans le système... préférentiel de Favre, et ça c'est quand même embêtant. Mais le souci justement, la question à se poser, c'est qui a fait le recrutement? C'est toujours le même problème. Ah ben ça fait 10 émissions depuis le début de la saison qu'on se pose la question, voilà, qui fait quoi dans ce club. Voilà, le problème c'est que du coup, si Favre veut pas de ses joueurs et qu'on lui impose ces joueurs-là, il est obligé de les faire jouer, c'est toujours le même c'est problème. Ça. Qui est le manager du club? Il n'y avait pas de directeur sportif, il n'y avait plus grand-chose. Donc là en fait, je pense qu'on passe sur une reconstruction avec des joueurs qui ont montré quelque chose en France, et notamment à Nice, qu'est-ce qu'on cherche? Ça a toujours été comme ça, hein, des combattants, de la combativité, du volume de jeu, et c'est ce que, excusez-moi du terme, mais c'est ce que kiffent les supporters. Et à Nice, on est dans cet ADN là, quoi. Donc voilà. On a rarement vu un recrutement aussi incohérent, de toute façon, dans l'histoire du club. Et moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est le physique de ces recrues. C'est-à-dire Schmeichel, je sais pas, on dirait un mec qui vient pour jouer dans un camping. Et un peu en surpoids, tu veux dire. En surpoids, Ramsey et Barclay, ils m'ont pas l'air physiquement bien. Parce que c'est des joueurs de foot, quand même. Ouais. Ramsey, ça joue au foot. Barclay, ça joue. Moi, on me dit c'est des bons joueurs de ballon. Mais physiquement, ils sont pas là. À la décharge de Bryan, puisque c'est un de ceux qui a été fait aussi par Ineos, lui, il a du temps de jeu. Il s'est attaqué, mais il ne sait pas défendre. Non, c'est un peu ça. Pourquoi ça décharge?
Bah parce qu'il sait faire un truc sur deux quand même. Ah bon? C'est même, déjà pas mal, non? Mais même le voir attaquer, moi, il me fait pas rêver, hein, franchement. Ouais. C'est sûr qu'il a, par rapport à Barre, qui manque vraiment de qualité sur les centres et dans le dernier geste. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça, c'est vrai, peut-être. Mais bon, Brian, moi, franchement, il est latéral gauche. Et quand je le vois défendre, il y a au moins 2-3 buts faciles qui sont que pour lui. C'est sur le début de saison. Moi, ce garçon, j'ai pas envie de le voir. Vincent, ces 4-là, ces 5-là, on peut les voir partir au mercato d'hiver? Brian, Barclay, il y aura un avant et après la Coupe du Monde. Ramsey. Aujourd'hui, Aaron Ramsey. Sorensen. Même mettez-vous à la place d'Aaron Ramsey aujourd'hui. Il sent bien que Favre, il ne fait plus forcément confiance. Il y a la Coupe du Monde dans 3 semaines. C'est le dernier challenge de sa carrière. Pensez franchement que Ramsey, à Lorient, il va s'enfiler le bleu de chauffe et aller au charbon pour aller ramener une victoire. Je pense que oui. Dans son esprit. J'espère que oui. Mais oui, mais ouais. Parce qu'une fois que tu es sur le terrain, tu ne penses plus à tout ça. Ouais, mais forcément, il n'a pas envie d'aller s'arracher pour Lucien Favre. Et Barclay qui est là, sans trop savoir pourquoi, tous ces joueurs-là, il y a forcément besoin d'une reconstruction de cet effectif qui est complètement bancal et on se répète depuis le début. Et Favre a fait des vrais choix. Pourquoi s'arracher pour Lucien Favre? Il doit s'arracher juste déjà pour le club, ouais, pour le match. Je suis d'accord avec toi dans le sens où il y a la Coupe du Monde qui arrive, mais à partir du moment où tu ne joues pas à 100% sur le terrain, c'est là où tu peux te blesser. Aussi. Là où tu ne peux pas être au top justement à la Coupe du Monde. Tu prépares mal en fait ta Coupe du Monde, donc tant qu'à faire. Même si c'est pas pour Favre, fais-le au moins pour ton maillot et fais-le au moins pour ton honneur. Parce que moi, je suis sélectionneur gallois, je m'inquiète de voir Ramsey. Ouais. Alors lui, il compte sur lui, c'est leur joueur, mais bon, il joue pas. Le Bengal va pas gagner la Coupe du Monde. Non, mais sans gagner la Coupe du Monde, je veux voir quand même un mec qui est prêt pour la Coupe du Monde. Quand tu vois Lionel Messi ou Neymar aujourd'hui, comme ils sont affûtés. Bon, tu vas pas comparer Messi, Neymar et Ramsey. Non, mais dans leur forme, dans leur état de forme. On parle pas de la qualité, on parle de l'état de forme. L'année dernière, on a vu un Messi, ce que ça donnait, un Messi invisible. Cette année, on voit ce que c'est un Messi qui est concerné, qui a envie d'aller jouer à la Coupe du Monde. Et moi, j'aimerais voir Ramsey concerné qui a envie d'aller jouer à la Coupe du Monde. Mais si tu le fais pas jouer. Mais pourquoi le faire jouer? Il est nul quand il rentre. Je suis désolé. Et à Slovacko, il fait justement ce qu'on aurait pu penser qu'il aurait pu que Favre fasse hier. Le faire rentrer pour garder un peu le ballon, tout ça. À Slovacko, il fait une entrée catastrophique. Il n'a pas gardé un ballon. Il les a perdus tout le temps. Donc franchement, je lui dis, Favre, je le comprends qu'il ne le fasse pas rentrer. Et bien justement, la passe de Will, elle est parfaite dans la profondeur puisqu'on va aborder le thème des remplacements de Lucien Favre. C'était un peu le problème déjà lors de sa première arrivée, de ses premières saisons à l'OGC Nice. Il faisait des remplacements assez tardifs ou un sur 3 ou 0 parfois à l'époque. Et hier, on voyait que l'OGC Nice était en souffrance et ça bougeait pas sur le banc, Vincent. Mais d'ailleurs, tu sens que c'est un point sensible parce que quand on lui a posé la question hier... Et on va l'écouter sa réponse après. Après le match, Lucien, pourquoi à ce moment-là, on sentait que votre équipe perdait un peu le fil? Pourquoi vous n'avez pas effectué des changements? Eh bien, écoute, on va l'écouter sa réponse tout de suite et comme ça, on pourra en parler derrière. Lucien Favre. Bon, j'ai pas attendu longtemps. Il faut vous mettre dans la tête qu'il y en a qui peuvent rentrer. Ils sont dans leur position et puis des fois, ben, pas du tout parce qu'ils sont pas joués, ils sont pas habitués à jouer cette position. Des fois, il y en a qui mieux un autre système, etc. À la fin, on a passé à 3 aussi, parce qu'il commençait à jouer long, etc. Et voilà, c'est simplement pour ça. Il faut avoir les solutions. Et oui, il faut avoir les solutions. Terrible. Il est là le débat, en fait. Vexé comme un pou, et à la fin, il me dit toi, qu'est-ce que tu ferais? Toi, tu ferais mieux, toi. Tu ferais rentrer qui, en gros? Et hier, c'est vrai. Hier, c'est compliqué. Les changements qu'il fait à 1 partout, il doit les faire à 1-0. Voilà, c'est ça, c'est ça qu'on veut dire. Et surtout, on pense surtout à Beka par exemple. Mais oui, mais Et Antoine Mendy aussi. Il les a fait rentrer au final, donc c'est pas une question de qualité. Il les a fait rentrer, mais c'est une question de timing. Mais... Pourquoi ne pas le faire avant l'égalisation? On regardait, on disait, mais c'est rebelote comme Slovacko. Oui, on le sentait. C'était la même. Ce qui est bancal, c'est que tu vois bien que Mendy, il entre, mais il fait n'importe quoi sur la fin de match. Ce gamin, il est bon, il va être bon dans quelques années, mais c'est lui qui peut te coûter la qualif. Mais c'est le risque à prendre avec les jeunes. Ouais, mais bon, là, dans la situation de Lucien Favre... Si tu le fais jamais jouer, mais c'est pour ça, jamais. C'est ingérable. En fait, à la place de Lucien Favre, personne n'aimerait être. C'est ingérable pour lui. Oui, parce qu'il n'a pas les joueurs. Sur ce 4-2, là, fin de match, devant, il a personne. Mais est-ce que le débat, c'est les remplacements de Lucien Favre ou le remplacement de Lucien Favre? Les remplacements tardifs. Les remplacements tardifs de Lucien Favre, parce que c'est vrai que c'est ça un peu le débat. Il a pris son temps hier soir, il a attendu que... Mais il est suisse, c'est un suisse, ils prennent leur temps. Oui, c'est ce qu'on dit, mais bon, quand même, il faut qu'il soit un peu plus actif. Moi, des fois, je comprends pas bien. Contre Nantes, à un moment, il fait rentrer 3, après, il en fait rentrer 1. Il y a des quotas maintenant de remplacement. Oui, trois. Et des fois, j'ai l'impression que. Pendant la mi-temps. On est tous les deux sur les anciennes règles, lui comme moi. Mais les autres qui se servent pas bien des Non, mais peut-être plus réactif qu'actif sur le banc, Lucien Favre, non?
Ben, ça serait bien qu'il soit actif, effectivement. C'est le coach, c'est lui qui décide. Donc à un moment donné, c'est à lui de voir ce qui ne va pas à un moment donné. Si tout le monde le voit et que lui ne le voit pas, c'est un problème. Ah ben là, c'est un gros problème. Après, dans les tribunes aussi, il y a 20 000 entraîneurs. Oui, ils ont des gens dans les tribunes maintenant. Ils ont des adjoints. Pense que les adjoints lui parlent, mais je pense qu'il n'est pas toujours attentif à ce qu'ils lui disent. Parce que je me rappelle aussi Angers, quand Todibo se fait expulser, il ne fait pas de changement jusqu'à la mi-temps. Et ce n'était pas une super idée au final. Tu t'es mené 1-0 à la mi-temps, tu fais ton changement, mais c'est trop tard, tu as perdu. Il est dans la réaction. Il n'est pas dans la réaction. Frileux aussi. Ouais, mais enfin, frileux. Oui et non, parce que du coup, justement, tu manes 1-0, tu vois que ça prend un petit peu l'eau. Et c'est là qu'un coach, il est là justement pour remettre tout le monde sur le navire, remettre tout le monde dans le droit chemin, et c'est parti. Hein. J'ai l'impression qu'il est frileux dans le sens qu'il a peur de froisser un peu les égos. Il va sortir la borne, par exemple, contre Angers tout de suite. Ça, c'était délicat. Un coach, il est là pour ça. Galtier, quand il était là, tu froisses ou pas l'ego. C'est une différence de coaching. Deux salles, deux ambiances. Clairement, est-ce qu'on a coup, n'hésite pas à sortir Ben Yedder après un carton rouge. Beaucoup de mal à faire. Bon. Et ça, c'est un peu la constance avec Lucien Favre. Pour imaginer un peu le flou parfois qui anime Lucien Favre, il faut savoir qu'en veille de match, avant le match contre le Partizan, il a travaillé deux systèmes lors du huis clos. Il n'y avait jamais le 4-4-2 dans la configuration dans laquelle Nice a débuté. Mais parce qu'il a voulu te blouser, ça. Non, c'est pas du tout style. Autant Galtier, lui, était capable d'essayer de brouiller les pistes et de faire en sorte de déséquilibrer la partie adverse, autant Lucien Favre, en fait, il est toujours en d'où l'article sur BKBK qui n'a pas joué. Le garçon, lui, pensait démarrer. Ouais. Mais peu importe, mais ça prouve vraiment qu'il est encore, en cette fin d'automne, pas perdu, mais... Il n'a pas vraiment de... Il tâtonne. Complètement. Il tâtonne à l'image des joueurs, hein, parce qu'ils ne sont pas tous à leur meilleur niveau non plus. Donc peut-être qu'hier, il a enfin trouvé un 11 équilibré. À voir si ça se confirme. Oui, parce que tu auras les retours des joueurs blessés, Diop, Delors, pas de suite, hein. Qu'il faudra intégrer. On va en parler tout à l'heure. Voilà ce que l'on pouvait dire donc sur cette rencontre de Coupe d'Europe entre l'OGC Nice et le Partizan de Belgrade, avec ce match donc décisif la semaine prochaine, jeudi soir, du côté de Cologne. On passe aux abgym, les coulisses de l'OGC Nice captées par les caméras d'OGC Nice TV. Non, pas discuter quoi. On va discuter si vous... un chose. Papa ou si, pas. Je sais pas si ça commence. Avec eux. Moi j'ai jamais été vite dans ma carrière de toute façon. Vas-y, commence. C'est un joueur qui mérite plus. En bac. Ah mais ça c'est une manque de respect. Mais c'est une manque de respect. Même il y a certains gardiens qui vont plus vite que moi. Attends. Pour moi, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste 32. Pour moi, je vais mettre 33. J'accepte quand même, c'est vrai que dans ma carrière, j'ai jamais été vite. Donc à presque 39 ans, c'est clair que voilà. À 32, c'est. Je dois l'accepter quand même. C'est important de sensibiliser pour pouvoir faire une grosse promotion, une grosse action. Donc on a les petits nœuds roses. Les joueuses ont un t-shirt rose aussi pour rappeler les couleurs de l'événement. Donc je pense que c'est important d'en parler. Ouch. Voilà donc pour le Zabjim à retrouver en intégralité sur les réseaux sociaux de l'OGC Nice. Il y a un problème, Philippe ? Non, pas de problème. J'aurais aimé voir Milos Gelmas. Eh, mais c'était hier soir, ça sera dans le Zabjim de la semaine prochaine, mon cher Philippe. Il est trop rapide, la pioche. Oui, là, c'est vrai que Milos Gelmas. Je suis en avance sur mon temps, monsieur. Ancien joueur de l'OGC Nice, c'était Milos Gelmas. C'était la classe. Était au stade hier soir pour le match contre le Partizan. On va parler de Lorient Nice à présent. Alors, j'ai titré le beau jeu face au non-jeu pour ce match-là, parce que c'est vrai que Lorient, ça joue au football. Nice, en championnat, ça joue guère au football, Vincent. T'es d'accord ou pas? Je t'avoue que j'ai pas vu énormément de matchs des Merlus. C'est un manque de professionnalisme. Absolument. Donc, c'est un peu la hype lorientaise, hein, ce début de saison. C'est pas mal s'ils font quand même. C'est super.
j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu quand même sur une pente descendante. Bah, ils ont perdu depuis... Terrence Mofi, donc c'est compliqué. Voilà, depuis, depuis quelques journées. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce déplacement à Lorient? Pas forcément, je sais pas, c'est une équipe qui a gagné à Auxerre, qui est en s'inquiéter à Lorient. Oui, c'est en pleine conscience, mais à un bout d'un moment, Nice va devoir aussi gagner certains matchs s'il souhaite un petit peu remonter la pente. Donc moi, je sais pas, je le sens plutôt bien, je sais pas, ce match, une équipe en confiance qui pense dérouler son football face à l'OGC Nice. Voilà, ouais. Un grand PP. Nice vient de battre une équipe qui a été invaincue depuis 18 matchs consécutifs, championnat, Coupe d'Europe. Donc, le Partizan. Ils ont battu un épouvantail européen. Non, mais quand tu regardes tranquillement les deux effectifs, même les deux 11, voilà, t'as pas non plus à trembler d'aller jouer à Lorient. Il y a le fils du coach qui joue là-bas. Le neveu. Neveu. Ah, c'est le neveu. Oui. Ah, ouais. Tu m'envoies avec Clermont, c'est Gastien qui joue. Régis Lebris. J'en parlais tout à l'heure avec Lolo, mais lui, il me disait qu'à Lorient, ça joue pas si bien que ça. Ah, alors vas-y, explique-nous. Hein. Ah voilà, d'accord, ok. Hein, t'es chauffé. C'est une équipe surprenante déjà, premièrement. Bah déjà, là où ils sont, personne ne les attendait là. On va voir le classement, justement, de cette Ligue 1. Alors, j'ai pas dit qu'ils jouaient mal. J'ai dit, en fait, au niveau de la possession du ballon, ils n'ont jamais la possession et ça joue en contre. Ouais. Ça joue, comment tu dis ? En transition. À l'époque, quand je disais ça joue en contre, c'est ça? Oui, à l'époque, moi, Philippe, ça joue le contre. Ça, c'est au volet. Moi, j'ai vu 2-3 matchs, justement, des Merlus. C'est pas extraordinaire. Mais c'est vrai que les transitions, ça va très vite devant. Ça joue pas latéral, ça joue dans la profondeur. Et maintenant, l'avantage qu'on va avoir, nous, c'est qu'il n'y a pas le meilleur buteur de Lorient. Terrence Mofi. Hein, qui est blessé. Toujours blessé, pour le moment. Oui. Ouais. Donc il ne devrait pas jouer. Et ça, c'est bien pour nous. Mais après, comme tu disais, sur le 11, sur le papier, moi, je pense qu'on va faire un bon résultat là-bas et qu'on va gagner à Lorient. Ouais. Ils ont des joueurs au milieu de terrain qui savent bien faire jouer, notamment Enzo Lefebvre, qui est très bon joueur, très grosse qualité technique. Il plaît beaucoup à Nice. Et ouais, ça fait un petit moment que la cellule l'observe. Et ouais, donc on a pris Ramsey et Barclay. Qualité, ouais. Bah, ça coûte plus cher, c'est mieux. C'est mieux, exactement. Ouais, c'est ça. Non, grosse qualité sur coup de pied arrêté, belle vision du jeu, beau joueur. Et puis, Lorient qui a un peu un coup de mou parce qu'ils avaient perdu Ouattara sur suspension à un match. Suspendu Ouattara, oui. Voilà, Mofi blessé. Donc voilà, dès qu'il leur manque, je pense que c'est un 11 quand ils sont tous là qui est solide, mais quand il y a quelques absences, voilà, ça déséquilibre un petit peu. On va regarder le classement de cette Ligue 1 avec l'OGC Nice qui malgré tout a gagné un rang avec son match nul face à Nantes la semaine dernière, qui est passé de la 13e à la 12e place. Youpi, tout va bien avec le coach à la mode à Lorient, Régis Lebris. À suivre, attention. Bah oui, parce que l'OGC Nice surveille un peu Régis Lebris. Bah, c'est des profils en vogue, hein, Régis Lebris, qui est représenté par un des agents les plus réputés sur le marché français, que connaît très bien Florent Ghisolfi. Tu peux dire son nom. Messa Ndiaye, effectivement. Donc voilà, c'est pas une info, mais moi je suis à la place de Ghisolfi, c'est évidemment un profil que je suivrai, et ils se connaissent très bien, parce que Ghisolfi est également passé par Lorient, comme Fabrice Boquet. Le directeur général de l'OGC Nice actuel. Donc bon. La première partie de tableau, pour voir où se situe Lorient maintenant, après son petit coup de mou, comme vous l'avez dit, messieurs, dans cette Ligue 1. C'est vrai que, bah oui, on attend avec impatience ce match de dimanche, parce que, on le disait avant l'émission, si tu ne gagnes pas dimanche, et si tu ne gagnes pas jeudi à Cologne, ou match nul, ta saison terminerait. Car le lu. Et puis, la saison est terminée, tu joues plus rien. Bah, tu te roules libre, quoi, tranquille. Tu vas à la Coupe du Monde et il reste 6 mois à aller regarder les matchs pour espérer voir Nice se sauver. Ça sera un bon pour contre. On espère ne pas le faire la semaine prochaine. Effectivement. Clairement, c'est la semaine de la bascule. Hein. Ouais. Bah, tu perds à Lorient et, comme tu dis, tu perds à Cologne. Mmh. On va gagner les deux matchs, donc du coup. Lolo, il est confiant. Heureusement qu'il est là. Hein, C'est vrai. C'est positif, ce que... Lolo, il a raison. Nous, on a toujours été très positifs. Comme la saison dernière, on tremblait dès le mois de février à l'idée de perdre la finale de la Coupe de France et finir 5e. Bah, on avait raison, non? C'est rare. Mario Lemina sur le match face à Lorient, enchaîné enfin peut-être entre une bonne performance en Coupe d'Europe et en championnat. On essaye toujours de confirmer parce que l'état d'esprit est toujours là. Et on essaye vraiment de donner le meilleur de nous-mêmes à chaque fois. Des fois ça passe, des fois ça passe pas, mais justement, comme j'ai dit, il faut aller chercher cette constance qui nous permettra d'exister dans ce championnat. Voilà donc pour Mario Lemina, messieurs, on est là. Ça discute, c'est bien, c'est vivant pendant les postes. Du coup, vous n'avez pas écouté Mario Lemina, mais enchaînez les matchs, confirmez. L'OGC a besoin de confirmer, Lolo.
C'est ce qu'on demande, parce qu'il y a trop d'inconstance depuis le début de saison. Lui, déjà, il revient de blessure, donc il fait du bien dans l'entrejeu. C'est un patron aujourd'hui, Lemina. Bien sûr. Ouais. C'est un patron, il met tout ce qu'il faut mettre pour gagner des matchs. L'envie, la combativité, et puis il a pas d'épée carrée non plus. À côté de ça, il y a Thuram, le petit Thuram qui fait que grimper et monter. Boudaoui qui revient. On a de quoi faire, quoi. Forcément, c'est pour ça que je reste positif. Et c'est drôle parce que Lemina, on l'a déjà dit souvent dans cette émission, mais il était destiné à quitter l'OGC Nice cet été, Vincent. Un des nombreux bons choix de l'été dernier. Bah oui, de vouloir sortir Lemina. Mais il est toujours là. C'est Lulu qui le rattrape après 30 bonnes minutes à Toulouse, quoi. Et une bonne prépa. Est-ce que c'est un leader dans le vestiaire aussi? Il le devient, non? Il a toujours été très apprécié. Moi, je l'ai vu. Dante Lemina, ce sont les deux. Être apprécié et être un cadre. Il fait partie. Dante Lemina, depuis la saison dernière, ce sont les deux. Il est écouté. Joueurs les plus réputés du vestiaire. Les plus influents. Après, moi, ayant joué au Gabon, je l'ai vu en sélection. C'est vrai que t'as joué au Gabon. Ouais. Un peu partout, mais t'as joué partout, aussi au Gabon. Ouais. Déjà, d'une, c'est un super joueur, c'est un très bon mec. Et c'est quelqu'un qui est écouté. Même au sein de la sélection. Maintenant, en plus, il fait partie des plus anciens. Il ne veut plus y aller. Je comprends ses raisons. Ouais. Mais comment dire, c'est vraiment une personne qu'il ne faut pas perdre à Nice. C'est un joueur qu'il ne faut pas perdre à Nice. On passe au pour-contre, messieurs. On va s'interroger sur Bilal Brahimi, parce qu'il a fait lui aussi un bon match. Vous ne l'avez pas cité encore et sciemment, puisque c'est l'objet du pour-contre de cette semaine. Brahimi, doit-il être titulaire? Alors, la question se pose en deux fois. Doit-il être titulaire déjà à Lorient, en l'absence toujours de Sofiane Diop? Et puis, quand Sofiane Diop reviendra aussi, doit-il continuer? Non, moi je prenais la question. Il doit passer devant Sofiane Diop. Allez, pour le moment, face à Lorient. Vincent. Évidemment, Lucien veut de la profondeur. Monsieur Favre, de la profondeur, de la percussion et des joueurs qui vont vite vers l'avant. Avec Bilal Brahimi, il coche toutes ses qualités. Alors, c'est certes pas le plus grand technicien du championnat de France pour l'instant. Il doit faire beaucoup mieux dans ses centres, dans ses dribbles, mais il a cette capacité à ouvrir les espaces, à embêter clairement son latéral, parce que pour un défenseur, c'est quand même toujours plus compliqué d'aller vers son camp que de défendre en avançant quand tous ces joueurs, et notamment Nice depuis le début de saison, demandent ce ballon dans les pieds. On se fait des passes là au cœur du jeu, un coup à moi, un coup à toi. Brahimi, voilà, ça trace, ça va vers l'avant, on y va, on avance et on verra bien. Mais à sa décharge, ce gamin, parce que c'est un jeune joueur, il a 21 ans, ça fait 6-7 mois que tout Nice dit c'est un bidon, Galtier il en veut pas, il a pris le remplaçant du remplaçant à Angers. Donc pour lui, franchement, j'aimerais bien te voir, toi, tous les jeudis ou les vendredis, présenter cette émission en sachant qu'on pense que t'es un bidon. Alors Mika, allez, vas-y, régale-nous, fais-nous une belle émission. Il faut s'accrocher. Mais tu sais qu'on te considère comme un bidon. Il faut du caractère, il en a. Et il en a, parce qu'en plus, il ne joue jamais. Hier, c'est, je crois, la deuxième titularisation de sa saison. Le gars, il a répondu présent. Donc voilà, qu'il enchaîne, qu'il prenne confiance et allez, Bilal, quoi, lâche-toi. Un peu la culture de l'instant. Parce que hier, il est peut-être bon, mais depuis le début de saison, il fait des entrées catastrophiques. Donc il faut être lucide là-dessus. Moi, je veux bien, hier, il fait un match correct. Mais donc, la question, c'est Brahimi titulaire, point d'interrogation? Non. Parce que si c'est Brahimi qui est titulaire à l'OGC Nice, il y a du souci à se faire pour jouer l'Europe. C'est bien pour ça que j'ai posé cette question en deux temps, à Lorient et dans la saison. Mais lui, il veut Barclay alors à Lorient. Non, je veux pas Barclay. Tu veux qui alors à Lorient? Peut-être que déjà j'aimerais revoir un 4-3-3 plutôt que. Et peut-être qu'à. Mais donc tu mets qui à gauche? Loubet. Non, ou alors tu fais un 4-4-2 losange et tu mets Barclay en 10. Voilà. Mais tu mets Brahimi. Un 4-4-2 losange, t'as plus de profondeur. Ouais, mais à profondeur, après, c'est toujours pareil. Donc si on attend que Brahimi. En difficulté, le Non, non, je suis pas en difficulté, c'est juste que c'est des grands théorèmes. Ouais, mais la profondeur, ouais, mais. C'est ce que veut Lucien Favre. Hein. Ouais, mais si tu joues au ballon, les jeux combinés aussi, à un moment donné, dans les petits espaces, t'as pas besoin d'un. Comment tu l'appelles déjà, notre Brahimi, donc? Non, je l'appelle Monsieur Brahimi. Mais c'est ton argumentaire. À force de parler de profondeur, j'ai l'impression qu'on est en train de parler de construction de piscine. Non, il faut arrêter. Bon. Tu l'as déclaré, ta piscine, non, Philippe? J'ai pas de piscine. Parce que ça tourne, attention, les droits maintenant.
pas de piscine. Donc je finis, Brahimi titulaire, non. Ça peut être un, s'il fait des bonnes entrées à l'image de son match d'hier, ça peut être un joueur très intéressant dans les 20 dernières minutes pour bousculer une défense et aller forcer le score. Lolo, ton avis sur la question, Bilal Brahimi? Il y a du pour, il y a du contre. Après, ça dépend de ce que veut Fabre. Hein. Ça dépend, ça partira de là. Après, moi, je trouve que ce garçon a du talent. Alors, Philippe va me faire la gueule. Hein, je plaisante. Mais il faut qu'il ait du temps de jeu. C'est sûr que si c'est rentré 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, il faut voir ce qu'il fait à l'entraînement. Il faut suivre le garçon, comme il disait, il a 21 ans, on lui en demande beaucoup, et c'est vachement percutant ce que tu dis. C'est vrai que si tous les jours tu vas à ton lieu de travail et qu'il est nul, il est ci, il ne sait pas faire ci, il ne sait pas faire là, oui, à un moment donné, on est comme ça. Donc il faut une force de caractère énorme. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui peut avoir du talent, il faut qu'il travaille, mais qui peut faire du bien à Nice. La synthèse, Philippe, par rapport à Bilal Brahimi. Je suis assez d'accord avec Vincent quand il dit qu'il joue lesté d'un poids qu'il ne devrait pas porter. C'est-à-dire, il a concentré toutes les critiques à une époque. C'était bien son facile. Recrutement, attention. Voilà, son recrutement. Ça a été facile de lui mettre tout dessus. C'est un gamin, il a 21 ans. Et donc, je suis sensible à ça. Après, moi, j'attends juste de savoir, parce que quand on me dit il a du talent, moi, je pour l'instant, je n'ai pas vu. Mais il court beaucoup. Voilà, il court beaucoup, mais on n'est pas à l'hippodrome. Mais vous trouvez que cette année, c'est encore valable, toute la pression sur lui, les bidons ici, on est le premier à le dire à chaque fois. Franchement, les entrées catalanes. On s'en fout un peu de ce que pensent les supporters. Je veux dire, l'année dernière, la saison dernière, c'est vrai, c'est que même le staff le pensait. Puisque quand il arrive, Galtier et Olexiak ne font que le critiquer. Donc ça, c'est vrai. Mais cette saison... Tu trouves qu'il est un peu plus épargné? Mais oui. Mais la preuve, hier, il fait quand même un match sympa. Oui, ouais. Pour la première fois depuis le début de saison. C'est parce qu'il est peut-être un peu moins... C'est pour ça qu'il faut le titulariser. Parce que quand il est remplaçant et qu'il rentre, il n'est pas bon. À Toulouse, sous Galtier, il était bon. Donc, à Toulouse, on se souvient des centres de l'or. Avec on parlait du but de Ramsey. On parlait, à Toulouse, si je me souviens bien, c'est lui qui déclenche tout. Oui, c'est vrai. C'est quelqu'un qui peut apporter de la percussion. Si on n'a pas ce genre de joueur, je parle pas de profondeur, mais il peut à lui dérouter en fait. Mais c'est surtout après, comme dit Lolo, c'est aussi une question de sensibilité foot. On aime tous les Eric Elmé, les beaux joueurs, on aimerait tous. Sans être un Eric Elmé, juste intelligence de jeu. Oui, mais je trouve qu'il en manque. Mais il peut progresser. Il peut que progresser. Thuram, par exemple, est préservé quand même de beaucoup de critiques, alors que Khéphren Thuram, il ne fait pas un grand début de saison. Non plus. Techniquement, est-ce que Khéphren Thuram, c'est au niveau attendu dans le petit jeu, justement, tu as appelé dans le redoublement de passes? Si je prends la culture de l'instant et je regarde son slalom à Auxerre et je dis oui. Mais ça, c'est de la percussion. Ce qu'attend Lucien Favre dans le petit jeu, Khéphren Thuram, il joue au cœur du jeu. On attend aussi dans le petit jeu combiné du lien avec les attaquants, du mieux. Mais c'est des joueurs qui sont également. Voilà, Khéphren, c'est un jeune, mais qui bénéficie, lui, d'une aura, c'est un nom, une gueule, et puis il en a fait beaucoup plus que Brahimi, certes. Mais à Nice, Brahimi, il se traîne un boulet depuis le mois de janvier dernier. Rien ne lui pardonner, on le sait. Et puis à Nice, c'est comme ça. Après, Khéphren, pour rebondir par rapport à Khéphren, aussi, cet été, il devait partir à Paris, Galtier devait l'emmener et autres. Donc, il faut peut-être aussi digérer ça. Et il a eu Covid qui était un peu long pour lui. Voilà. Donc, du coup, après, c'est un super joueur. Mais bon, après, c'est par rapport à l'appréciation de Favre, il faudra voir. En tous les cas, il fait débat dans Gym Tonic, Bilal Brahimi, puisqu'on en parle quasiment toutes les semaines. Et tant mieux pour lui, il y a des joueurs à l'OGC Nice qui font pas autant débat que lui. Donc, l'important, qu'on en parle en bien ou en mal, important, c'est qu'on en parle. C'est exactement. C'est à l'époque Bernard Tapie. C'est sûr qu'avec des pour-contre comme ça, on sait pourquoi Nice est 12e du championnat. Absolument. On passe à l'indiscret de cette semaine avec une info complètement improbable, Vincent, qui nous vient d'Espagne. Improbable, tu trouves? Bah ouais, moi je trouve ça improbable. Ah bon? Incroyable, improbable. Parce que tu pensais vraiment qu'il allait revenir à Séville? Bah ouais, moi je trouve que c'est un bon joueur. Mais vas-y, dis, explique. Eh ben, on a vu passer ça sur internet, on a tenté de le vérifier auprès des dirigeants niçois, qui sont pas forcément au courant des désirs de Jorge Sampaoli à Séville, mais Casper Dolberg ne serait plus en odeur de sainteté du côté de l'Andalousie. Alors explique, ils ont changé de coach à Séville. C'était Lopetegui en début de saison. Déjà, j'ai trouvé qui voulait Dolberg. Yann Moody a fait beaucoup de mauvais choix, mais c'était quand même une prouesse de placer Dolberg à Séville en fin de mercato après les derniers mois qu'il avait effectué à l'OGC Nice. Donc on s'était dit pourquoi pas.
Réponds, hein, Philou, hein, c'est important. Ah, c'est incroyable, c'est qu'il appelle. C'est parce que c'est Dominique Baratelli qui est ici. Bah, réponds en direct. Tu lui réponds en direct. Vas-y, Vincent, continue. Énorme. Il pleure, ah, là, il est trop content. Je risque un petit malaise vagal, mais ne faites pas cas de moi. Et donc, apparemment, le prêt de Dolberg pourrait être cassé assez rapidement, peut-être après la Coupe du Monde. Pour l'instant, les dirigeants sévillans n'ont pas fait de démarche auprès des homologues niçois pour justement le casser plutôt que prévu. Mais Dolberg, depuis son arrivée à Séville, ses 3 apparitions en Liga, une passe décisive, 2 titularisations en championnat d'Espagne et 4 apparitions en Ligue des Champions, 0 but aussi en championnat. Et il a joué 45 minutes lors du dernier match de Ligue des Champions. Il est sorti à la mi-temps. On imagine bien qu'entre Jorge Sampaoli et Dolberg... Tu as oublié une chose quand même, c'est qu'il a marqué un but à l'équipe de France. Exactement. Voilà. Ouais. Donc ça veut dire que le joueur, quand même, un beau but, le joueur... Il est là encore. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai lu un peu ce qui s'est passé en Espagne là, et ils parlent aussi de son. Ils sont surpris eux en Espagne de sa personnalité, qui est vachement introvertie. Il parle à personne dans le vestiaire, mis à part Delaney qui est un coéquipier de la sélection nationale. C'est un peu la constante chez Casper Dolberg. Malheureusement, sa personnalité qui est dans un vestiaire fait un peu tache. Mais par contre. Je suis comme toi. Joueur. Mais moi, je le reprends. Mais renvoyez-le nous. Renvoyez-le nous. C'est bon. Attaquant, tu sais. C'est une énigme. Par contre, c'est un finisseur. Il marque, quoi, comme il a marqué contre la France. C'est 19e attaque de Ligue 1. Mais il faut qu'il y ait des ballons aussi. C'est surtout ça le problème. Parce que si tu n'as pas de ballon, tu peux marquer de but. Après, c'est pas un Balotelli. C'est pas. Mais si Brahimi fait la finale de Coupe de France de Dolberg, mais les gars, mais vous le pendez. Il y a un joueur. Et là, vous le reprenez. Il y a un joueur actuel du 11, un titulaire, je ne dirai pas son nom, qui m'a dit. Si Dolberg il joue dans le 4-4-2 que veut Lucien Favre, il en met 20. Voilà. Et ben voilà, le débat. Ah ben faut le reprendre. Le débat est ouvert. Non, le débat est ouvert, Philippe. Dolberg, tu le reprends ou pas? Non. Il jouait dans quel système la saison dernière? Non, je reprends Guiri par contre. Ah oui, tu vas me lancer Vincent dessus. Évidemment, Guiri l'aborde. Guiri, il est malchanceux. Mais juste, qu'est-ce qui peut se passer avec Dolberg? C'est-à-dire, si on peut casser le prêt, il revient. Il revient au JC Nice. Je pense. Il revient. Oui, tout à fait, c'est ça. Mais c'était déjà une prouesse de l'avoir mis à Séville l'été dernier, parce que Favre n'en voulait pas. Bon. On suivra ça, en tous les cas, ce dossier Casper Dolberg, attentivement, pour voir si, après la Coupe du Monde, effectivement, il reviendra du côté de l'OGC Nice. Sur ce Lorient Nice, on y revient, la compo probable, Will, de cette rencontre. C'est simple, vu la prestation de Coupe d'Europe, Lucien Favre devrait réaligner la même équipe. Mis à part dans les buts, Kasper Schmeichel. On se trompe souvent, peut-être qu'il va mettre Boulka cette fois. Non, je n'y crois pas du tout. Parce que si vraiment Boulka avait fait indifférence dans son raisonnement, il aurait aligné déjà contre Nantes avant la Coupe d'Europe. Il n'aurait pas attendu le match de Coupe d'Europe pour le remettre. Parce qu'il a été 2 fois malade quand il devait jouer et il aurait remis dès Nantes, à mon avis. Si vraiment il avait gagné. Mais ça, moi je comprends pas parce que Favre, c'est quand même un gars qui a une carte de visite. Il a entraîné en Allemagne, il a 62 ans. Il 64. A, 64 ans, mais il a envie de faire jouer Boulka. Je vois pas pourquoi il mettrait Schmeichel. Mais c'est l'image un peu du mercato. Il avait envie de tel et tel joueur. Il a eu Brian, Sorensen et. Oui, non, mais là, c'est un choix. C'est lui qui choisit le gardien. Il a peur d'imposer son choix. Il a peur de le perdre. C'est que il a peur de la pression. Parce que Schmeichel, s'il sort du 11 lors du prochain match, lui, c'est bon. Mentalement, il n'y sera plus. Quoi. Ouais. Déjà, physiquement, il a du mal. Peut-être il va laisser jusqu'à la Coupe du Monde. C'est ça. Et derrière, en fait. Mais il va partir. Après peut-être il y a aussi ce qu'il faut savoir dans les gardiens, il y a une hiérarchie, il y a le numéro 1, le numéro 2. Là ça a été peut-être défini dès le départ. Donc ça peut changer à tout moment, mais il faut au minimum sur un numéro 1, il faut qu'il fasse au moins aller peut-être 3-4 bourdes et qu'il passe à côté de 5-6 matchs pour mettre le numéro 2. Après le numéro 2, il faut qu'il prouve aussi derrière. Donc il est parti dans cette lignée là. On continue ta compo probable. Devant Schmeichel qui retrouvera donc les buts, on aura la défense à 4 qu'on a vu, Atal, Todibo, Dante, Bar. Qui a définitivement, lui, pris une longueur d'avance sur Brian, mais en revanche, il sera suspendu à Brest, Barre, donc il va jouer les prochains matchs, mais on retrouvera Brian. Au milieu, Boudaoui, encore un, qui se devient indispensable à l'image de Lemina.
Thuram qui a toujours une longueur d'avance sur BKBK et Brahimi toujours à gauche puisqu'il n'y a personne qui peut jouer ce côté-là et Pepe Laborde, la paire d'avant d'attaquants incontournable parce qu'il n'y a pas de choix. Voilà. Ouais, mais bon, quand Diop et Delors ils vont revenir, d'ailleurs ils en sont où là, Diop et Delors, Vincent? Alors Diop, il n'y a pas beaucoup d'espoir pour le déplacement à Cologne, ça risque d'être encore court, peut-être Delors à Cologne. Peut-être de l'or à Cologne. Mais quand mais il bon, va ça rentrer... sera plus sur le ouais, banc. Avec pour faire rentrer, ça serait ouais, bien. Sûr. Mais... Dans le 4-4-2, là, comment on fait là? Avec Diop, Delors, Laborde, bah, Pépé. Diop sur un côté. Boudaoui. Bah, tu fais passer Pépé à droite du 4-4-2. Mais on sait qu'il ne prend pas la profondeur. Non, Pépé. Non, mais il ne fera jamais jouer. Et Delors, Laborde. Mais si tu es en cours de match, tu vas marquer. En cours de match, ouais. Ah non, mais c'est ça que je veux dire. Selon une entrée de Delors en cours de match. Mais si, d'entrée de jeu. Diop sur un côté à la place de Brahimi et devant les trois qui tourneront. Bon, voilà donc pour la compo probable de ce match entre... Tu penses à Doumé Le Chat ou quoi? Pardon. Par rapport à la gueule de Doumé, il était dans ses pensées. Il est moment d'absence. Il est curieux par rapport à l'appel de Dominique Baratelli. Non, je sais pourquoi il m'appelle. Ah, bon, voilà. Ça va. Il m'appelle pour une question sur Loris à propos d'un papier de Vincent sur la Coupe du Monde. La Coupe du Monde et l'équipe de France. Bon, alors tout va bien, vous réglerez ça. Oulala. Tout à l'heure, le cadeau de la semaine, deux places à gagner pour la rencontre face à Brest. Ça sera la semaine prochaine, il faut pronostiquer. Au rail. Le bon score, non, ça sera à l'Alliance Riviera. Il faudra pronostiquer le bon score entre les Merlus, le FC Lorient et le GC Nice. Deux places à gagner donc pour Brest. Vous en avez l'habitude maintenant avec le hashtag Gymtonic, le nom des buteurs, le score de ce Lorient-Nice, deux places à gagner pour Nice-Brest. On passe au souviens-toi, mon cher Philippe. Je ne me souviens plus de rien. Tu te souviens plus. Tu te souviens de Lolo gagner à l'UGC Nice quand même. De Doumé. Ça oui, tu t'en souviens. Ben déjà, Lolo, il avait un nom pour jouer au foot. Donc bon. Et puis une gueule. Les cheveux longs un peu plus longs à l'époque. Hein, cheveux longs. Ouais, mais on vieillit. Il avait. À qui dis-tu? C'était une rockstar. Il y avait beaucoup de femmes à l'époque de jeunes adolescentes qui venaient le voir jouer. Donc Lolo, c'est un joueur, un attaquant, un joueur fin, intelligent dans le jeu. Moi, j'aimais beaucoup. Et donc moi, je me souviens de lui l'année de la montée en 2002 sur trois matchs. Donc j'ai parlé d'abord de Martigues, match au Ré où Nice, en avril, avait gagné 1-0 et c'est lui qui avait marqué. Et ce match déclenche un petit peu ce qui va suivre. Je me souviens aussi de l'avoir vu marquer le match de la montée contre Istres. Match important que tous les Niçois gardent en mémoire. Bon, ça, c'est deux matchs super importants. Mais moi, mon match de cœur, je ne sais pas s'il s'en souvient, j'en ai pas parlé avec lui. C'est un match à Nîmes, en décembre. De la même saison, mais le 22 décembre 2001. Nice va à Nîmes, et je lui avais fait un papier avant. Il revenait de blessure, j'avais fait un excellent papier avec lui. Comme toujours. toujours excellent. Papier remarquable. Toujours. C'est pourquoi on t'appelle la légende. Je crois qu'il est dans la gare des Michards et le musée du sport. Pas loin les élèves de terminale l'étudient pour le bac. Bah oui. Et donc, je lui avais fait un papier, et donc au Costières. Anime, il se souvient. Tu te rappelles de ce match, Lolo? Bon, non. Vite fait. Et de l'article de Philippe Gans, par contre. On avait gagné, j'avais mis un doublé, je crois. Voilà. Ouais, alors, il gagne, ouais. Nice gagne, il met un doublé. Un but, je ne sais plus qui avait marqué, et doublé de Monsieur Gagné, donc 3-0. À la fin du match, ça, je m'en souviens, et il était venu me voir. Bon, j'étais dans les vestiaires, parce que c'était une autre époque, on faisait les interviews dans les vestiaires. Effectivement, rentrer dans les vestiaires à la fin du match. Rentrer dans les vestiaires, c'était super. Et il m'avait offert son maillot. Voilà. Donc, je me souviens de ça parce que c'est le seul joueur... J'en ai fait des papiers sur des joueurs de foot. Hein, mais c'est le seul joueur qui, à chaud comme ça, a eu ce geste de me dire « Tu m'as fait un papier, tu m'as porté bonheur, je te file mon maillot. » Tu t'en souviens ça, Lolo? Tout à fait. Je m'en souviens pas du tout, mais moi... Oui. Non, je m'en souviens. Mais après, moi, oui, le maillot est toujours chez moi. J'ai essayé de le retrouver ce matin. Ça, c'est un petit aparté. Ouais. Et lui montrer. Introuvable. Ah ouais. Il a donné, en fait. T'as vu? Il a vendu sur le bon coin. Il est super content d'avoir le maillot. Mais par contre, vous l'avez maintenant. Non, je l'ai toujours. Tu sais que tu l'as gardé. Mais ma femme l'a mis avec les affaires d'été ou d'hiver. Impossible de le trouver ce matin. Une embrouille terrible. On va tout savoir. Fou, non? On va tout savoir. Ça t'a énervé. Oui, ça m'a énervé. Ouais, ça t'a mis un peu chafouin. Avec quoi, le numéro 9 chafouin. C'est ça?
Oui. Et j'avais demandé à Marco Grassi à l'époque. T'avais pas, c'était pas le 9, le numéro. Ah ouais, je crois pas. 7 alors. Je crois pas, mais je si, me... c'était le 9, c'était l'année... Le 9, j'avais marqué... peut-être. Ouais. Parce que cette année-là, donc, dans l'équipe, il y avait Poussin, avec toi en attaque. Il y avait Malek, ouais. Chirad. Mané, non il y avait, non, Kaba, c'était avant, Kaba, Mané. Ouais. Et donc, voilà, vous disputiez un petit peu les postes en attaque. Hein. Il y avait Serge Ayeli aussi. Ouais. Serge Ayeli, effectivement. Bah, on s'est disputé. Poussin, il avait mis, je ne sais pas combien de buts cette année-là. Il était indétrônable. Oui, donc, non plus, Poussin, c'était, c'était compliqué. Jouer, ouais. Voilà, ouais. On voulait jouer avec lui. Mais après, c'était bien parce qu'il y avait une bonne concurrence. En plus, l'équipe tournait bien. Il y avait une très bonne ambiance. Et bah, c'est ce qui a fait qu'on est monté, en fait. On a parlé plusieurs fois cette monter, hein, mais c'est effectivement voilà, ouais, c'est, ouais, c'est ce qui ressort, ce qui ressort un petit peu de cela. Et puis après, donc tu vas à Chamois-Niortais, ouais, faire une petite saison en prêt, mm-hmm, tu retournes ensuite là-bas, ça se passe plutôt bien. Derrière Nice, ouais, ça se passe très bien. Bah, je fais 6 mois là-bas. On en discutait tout à l'heure, justement. Je fais 6 mois là-bas. Moitié de saison, je marque 7 buts. Bah, avec le coach, ça n'allait pas. Avec Garnot. Avec Garnot, ouais. Voilà. Bon, bah, après, c'est comme ça. Hein. C'est la vie du footballeur. Après, oui, bah, je repars en gros prêté encore une année. On joue la montée en Ligue 1 avec Niort. Mm-hmm. Faut le préciser quand même. Bah oui, ils ont pas dû jouer. C'est peut-être la dernière fois qu'ils ont joué à monter. Ouais. Ouais. Et du coup, moitié de saison, je me fais les croisés, j'étais à 8 buts. Enfin, ça se passait très bien. Et après, bah voilà. Ça a été vraiment dans ta carrière, ça a été le moment clé, quoi. Hein, un des moments clés. Après, bon, bah comme je l'expliquais à chaque fois, nous on se prenait pas la tête. Voilà, on était là, on jouait, on se retrouvait là, on était contents. Et c'est vrai que c'était pas aussi précis parce que le football aujourd'hui, les joueurs ils sont comme des Formule 1, quoi. Ouais. Nous à l'époque, on jouait, on faisait attention quand même un petit peu à ce qu'on mangeait, mais après on sortait, on n'était pas vraiment... L'hygiène de vie n'était pas la même. L'hygiène de vie, c'était pas du tout la même, quoi. Mmh, ouais. Mmh. Donc on en a profité aussi en même temps, en faisant un métier qui était vraiment top, et c'est pour ça que, comme disait Philippe tout à l'heure, tout le monde pouvait entrer dans les vestiaires, on rigolait, on chambrait, on ci, on là, il n'y avait pas de barrière, en fait, il n'y avait pas le coin presse, le ci, le là, et ça n'existait pas avant. Mmh. Une carrière assez intéressante, puisqu'après, derrière, donc, tu joues la finale de la Coupe de France avec Sedan. Ouais, donc bah, après Niort, je casse mon contrat avec Nice et je signe à Sedan 2 ans. Donc ça se passe très bien. Première saison, on fait finale de Coupe de France. Bon, malheureusement, on la perd 2-1 à la 90e minute, but de Calais. Et l'année d'après, en fait, on monte en Ligue 1. Mm. Donc ouais, ça s'est super bien passé aussi, que des très bons souvenirs. Et voilà, après je suis parti par Mons et par Vaux. Hein, Vietnam, Thaïlande, voilà. Gabon. J'ai fait un peu le tour du monde, ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé comme ça, cette envie d'aller voir ce qui se passait ailleurs? Pour moi, en fait, en gros, j'étais catalogué joueur de Ligue 2, forcément. Et j'avais fait le tour. À 29 ans, je me suis dit, bon, allez, on va partir à l'étranger, voir ce qui se passe, quoi. Mais en pensant que c'est toujours mieux à l'étranger, mais... Et il y a son lot de surprises aussi. Et j'avais envie de voir autre chose. Ça s'est bien passé. J'ai pris mon short, mes chaussettes, mon maillot. Et je suis parti à droite, à gauche. Et sillonner un petit peu le monde entier grâce au football. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien voyager. Et donc ça s'est très bien passé. Ouais. Et toujours attaché évidemment à l'OGC Nice. On le disait tout à l'heure, je le disais dans le sommaire. Azuréen, pure souche, puisque tu es né à Antibes. Hein, donc voilà, l'OGC Nice, c'était ton club. Quoi. Ça a toujours été ton club. Ah moi, j'ai joué quartier de Nice. Hein, j'ai joué au Cavigal. Hein. J'ai commencé au Cavigal. Après à Nice, j'ai fait mes. Après, j'étais à Nice au centre de formation et j'ai fait tout ce qu'il fallait faire à Nice pour. Mais son fief, c'est Cagne. Hein. Ouais, c'est Cagne. Moi je suis Cagnon. Croix de Cagne. Ouais. je suis d'ici. Après, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je suis né à Antibes d'ailleurs. Hein. Je pense qu'en rentrant de quelque part, ma mère a dû accoucher là-bas. Je ne comprends pas, mais je suis Antibois. Mais là-bas, je suis de Cagne-sur-Mer. Ouais. Ouais. Cagne-sur-Mer, je suis un Azuréen. Ouais. Et quand on est supporter de l'OGC Nice depuis son plus jeune âge et qu'on revêt le maillot, qu'on joue sous les couleurs, qu'on vit de monter en Ligue 1, ça représente quoi ça? On le vit comment ça en étant et supporter et aussi footballeur et partie intégrante? C'est extraordinaire. comme beaucoup en fait de Niçois, hein, je pense que moi en fait la passion du football elle est venue de mon père. Mon père m'a emmené au stade et j'ai connu justement les belles époques. Bon, peut-être pas. Dominique Baratelli, mais j'ai connu les belles époques avec Gianma, Kessner, Kurbos. Oui, c'est vrai. Mais j'ai connu des belles épopées avec un stade du Rail toujours en furie. Quoi. Et quand on vit ce qu'on a vécu, même si ça remonte, à chaque fois on en reparle et autres, mais ça a marqué, comme tu disais, pas mal de Niçois, cette montée. Quand on part de Carrosse, du Servotel, et que du coup, tout est blindé partout, qu'on ne peut pas passer. On a pris des vidéos avec, je me rappelle, Pamaro et tout le bordel, là. Toute cette clique de fous. ça marque, et ça marque tout un peuple, parce que moi, je trouve que c'est le peuple niçois. Il a toujours été derrière nous, malgré les mauvais moments aussi, parce qu'il faut rappeler que pendant 2 saisons, on a galéré pour
pour se maintenir en Ligue 2. Mais ces moments-là, ils restent gravés à vie. Ouais. Voilà, c'est, et quand on en reparle à chaque fois, bon, on n'a pas la petite larme, mais petite on, émotion, on, quoi. Toujours petite émotion, voilà. Après, bah, les jeunes, ils ne peuvent pas comprendre, mais c'est vrai ce qu'on a vécu tous ensemble en plus. Hein. Je ne parle pas que des joueurs, des supporters. Le, bah, toi, Philippe, hein, tu peux le dire, à l'époque, il y avait Yves aussi. Oui. Il y avait Ismérins, voilà. Voilà, il y avait, enfin, il y avait tout. On était tous ensemble, en fait. Donc, c'était vraiment, ouais, exact. Bah, c'était vraiment une grande famille. C'était ça qui était top. Malgré tout ce qui se passait aussi en interne, hein, parce que bon, on a connu. Et le meilleur avec qui tu as joué dans toute ta carrière? Oh, bah, j'en ai connu des bons aussi, hein, parce qu'il y avait des joueurs que j'ai connus à Sedan, Stéphane Noro, qui n'a pas fait la carrière qu'il aurait dû faire, mais qui est joueur. Il a pété la jambe, lui, non? Il a cassé la jambe à Pierre-Alain Lafroux. Ah, salut, avec Mionnet, t'avais joué avec Mionnet à Sedan? Non, bah, en fait, on a. Vous êtes croisés. On s'est croisés. Après, il y avait Kaba Diawara. Kaba Diawara. Quel joueur et quel homme, enfin, Pablito, on est obligé de citer Pablito. Bah, Pablo Rodriguez. Pablito, c'est mon ami. Donc, après, il va jouer. Talent fou. Après, il fallait mettre la seconde, mais qui est pied gauche. Ouais. 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 Pied gauche. Magnifique. Après, bon, bah, on a eu Evra, joué avec Pat Evra, mais à l'époque, c'était pas le Evra qu'on a connu, mais c'était un sacré, sacré joueur, quoi. Ouais. Et même après, bah, des tu Romain Pitot. Tu l'as croisé Evra depuis? Parce que ouais, je l'avais recroisé. Ouais. Et pourtant, ils étaient cul et chemise tous les deux. Hein. Ouais. Mais ouais, je l'ai recroisé. J'étais invité à Marseille-Nice il y a quelques années de ça, et je l'ai croisé dans l'ascenseur. Ouais. Ouais. Et bah, il m'a remis de suite. Et donc, du oui, coup, heureusement quand même. Ouais, bah, bref, avec barbe blanche. Pas trop changé. Pas trop changé. Mais ouais, ouais, bah voilà. Sinon, bah, après des joueurs, on a vu mais passer. Bon, mais bon, aujourd'hui, tu bosses, t'es plus. T'es non, pas comme les joueurs, ouais. Voilà. Tu peux pas vivre de tes rentrées football. De tes rentes. Non, parce qu'après, c'était pas le football business d'aujourd'hui, quoi. Donc, tout le monde a. Enfin, pas tout le monde, parce qu'après, il y en a qui ont fait des grosses carrières aussi. Moi, j'ai fait une petite carrière, on va dire. Mais oui, je bosse, hein, je travaille, bon, je ne sais pas si je peux le dire. Pour une assurance, pour une assurance. Pour une assurance, ouais. Et ça se passe bien. D'ailleurs, si vous voulez que je vous assure, n'hésitez pas. Très bien équipé sur ce plan-là. Avec les anciens Aiglons, toujours présents aussi Non, rarement, parce que je ne peux pas trop jouer à cause de mon genou. Ah. Ouais, oui. Ouais, malheureusement. Mais après, je les côtoie. Ouais, tu toujours... les côtoies en dehors du terrain. Ouais, bah ouais, vaut mieux en dehors. C'est, ouais. C'est plus du sport que sur le terrain, je vous le dis. Sympa. Lolo, merci beaucoup d'avoir été notre invité cette semaine sur le plateau de Gym Tonic. C'était sympa. Toi aussi, merci. Tu reviens quand tu veux. Tu as ton petit rond de serviette sur le plateau de Gym Tonic. On aime recevoir les anciens joueurs du gym. Messieurs, merci beaucoup. Semaine importante à vivre donc pour l'OGC Nice avec ce déplacement à Lorient dimanche et le déplacement à Cologne jeudi. Merci à Philippe Bertini, Chloé Wargard et Sophie Dansé à la préparation et à la réalisation de cette émission. Merci d'être toujours plus nombreux à nous regarder, même depuis Nouméa, où on embrasse nos supporters de l'OGC Nice du côté de Nouméa. Bonne semaine à toutes et à tous et à la semaine prochaine.